D'abord, c'est émouvant de sentir plein d'amis rassemblés autour de poésie. Et ce soir, la Casa Palabre sera autour d'une parole poétique. On laisse arriver ceux qui arrivent. Bienvenue. Voilà, je trouve ça très fort qu'on se rassemble si près, comme ça. Je suis très touchée. Comme vous voyez, on a plein de jeunes musiciens qui vont, avec leurs improvisations, c'est absolument improvisé, nous n'avons rien répété, qui vont accompagner les poèmes. Alors, je vous présente... deux de mes étudiants qui sont donc à la fac de lettres, au CFMI, au Centre de formation des musiciens intervenants. Xavier Lefebvre et Éric Darmoise, qui sont donc des jeunes musiciens. Et puis, Étienne, dont je connais seulement le prénom, et... Champollion. Étienne Champollion, et... Périne Mismer. Donc là, on est encore plus dans l'impro parce que je ne les connais pas. Mais ça me plaît beaucoup. Je suis très, très touchée que ces étudiants soient venus de loin pour m'accompagner. Je suis très touchée parce que dans ces poèmes, je dis beaucoup. Je dis beaucoup de moi. Et je dis beaucoup de vous, peut-être, j'espère. Ce recueil qui vient de paraître il y a un mois s'appelle Versant, Versant au pluriel. Et ce sont les deux versants de la vie. Daniel Vieux va vous lire la préface qui a été écrite par Djemel Ezzine Benchehir, qui est un grand poète d'origine algérienne, que j'appelle mon père en poésie, parce qu'il m'a reconnue en tant que poète, il m'a donné sa confiance et il m'a fait l'honneur de cette préface. Et puis, à la fin de la préface, on écoutera quelque chose, de la musique, et entre chaque poème, on écoutera de la musique qui fera écho, sans doute, à ces mots. Alors, à Daniel. L'intensité des mots métamorphose le regard. Tandis que chaque texte scelle la page, son écho fait éclore un doute. Ne serait-il pas né du lecteur qui l'attendait sur une rive déserte? En lisant Roselyne Sibyl, je n'ai pas de poèmes élus. Tous se tressent comme une extase piquetée d'étoiles, conduit par une mère inlassable, ultime gardienne. Chacun d'eux prend ma main, me guide, puis s'immobilise, faisant place à de nouveaux signes, réanimant l'ascente vers le sommet. Mouvement ténu, suspendu comme celui d'une flûte traversière qui délie un argot de Vivaldi, ou celui d'un piano qui effleure les gymnopédies de Satie. Les sons
vacillent étrangement et se suspendent l'un à l'autre. Chaque pas ici est d'une gravité prononcée. Comment respirer face à l'exigence? En quêtant un sourire du vent, ramifiant ses branches comme un arbre d'espérance, l'écriture se caresse à adret ou se raidit au versant du froid. De la mémoire à l'incompris, à l'attendu en vain scruté, elle nous fait renaître en nous-mêmes. Abriter l'inconnaissance, la poigne griffe au fond des eaux et le doute lové. Stridence de l'archer dans la gorge muette. La couleur de la peur s'infiltre et sent le plomb. Un feu éclate en moi. Un brasier hurle les stridences, m'emporte. Tempête de lumière brûlante qui tournoie, engloutit la mesure. Tourbillon aspirant vers le haut gouffre des fournaises. Construire en briques d'eau des parois de vent. Habiter le souffle d'une demeure océane. Dors ma peur, dors, je te berce. Navette du quotidien qui veut que le tissu s'affine aux rêves des enfants. Navette impitoyable qui sait que la tendresse pourrira sur le dos des mères exténuées. Navette de la vie, écheveau des chemins. Patience à l'écoute du sein. Thank you.
La surprise de peur, tel un mur qui s'avance, martial, inéluctable et lent. Un cri fusant, un hurlement, un cri. Et puis, la porte sur le vide, l'entrée dans la brume, l'entrée dans le vide. La surdité, le goudron des sanglots. À tâtons, je t'implore. Poser, poser ce front rempart devenu prison, savoir féroce en explosion. Je te supplie, silence, ma patrie. Éparpillée encore, au jour d'après fracas, je me tais et j'écoute. Où respirer? Dans quel sourire du vent? Vérité corbeau, rapace désaccordé, souvenance en percussion de hache, mes oreilles hurlent. Rochers, falaises, lorsque tournoient les vents de nuit. Maintenez-vous droit dans les vagues, ô mes gardiens de forteresse. Thank you.
et le sens des stalactites. La sûreté des sources en cheminement d'eau. Et dans la nuit marine, l'instinct des migrateurs lorsque mugissent les vertiges. Élever un abri, une tente nomade, un refuge contre le vent. Ne plus rien savoir que marcher et se fondre, reflet d'eau.